Voilà. Monelle a 18 ans. Ne vous fiez pas à son âge, la jeune fille est très mature et débrouillarde. Elle sait changer les ampoules, s'il faut faire la peinture, elle va le faire. Elle m'aide à changer le gaz quand il n'y a plus. Ce jour-là, c'est matinée crêpes improvisées. Les filles doivent en faire une centaine pour une association. Est-ce que Mylia maman fait 2-3 crêpes ou je pense que Nora s'y en fait ? Pour ses amis, Monelle, c'est le genre de personne sur laquelle on peut compter. J'ai tout de suite demandé de l'aide à Monelle. Et Monelle, c'est le genre d'amie toujours présente, forcément. Elle m'a dit oui, c'est bon, allez, on va faire 100 crêpes. Monelle a toujours vécu à Vincendo. Elle a perdu son père il y a 7 ans. Sa relation avec sa mère est quasi fusionnelle. On se dit tout, on fait beaucoup de choses avec, on est complices. Je suis avec elle tout le temps. Monelle a un grand frère et dans sa vie, il y a aussi Emeline, sa cousine, celle qui l'a poussée à participer au concours. Très proches, les jeunes filles passent beaucoup de temps ensemble. Je la soutiens dans ce qu'elle fait, dans ses choix et tout. Et elle, pareil, si j'ai besoin de réconfort ou quoi que ce soit, ben elle est tout le temps là pour moi. Bien entourée et à l'aise avec son image, la jeune fille est très naturelle. Je prends soin de moi comme toutes les filles, mais je suis plutôt simple. Je ne vais pas en mettre des couches, que ce soit esthétique ou même personnel, ma chambre, mes habits ou autre. Monelle a un fort caractère. Très obstinée, elle essaye toujours d'atteindre ses objectifs. Quand je veux quelque chose, je ne vais pas le lâcher, je veux l'atteindre et donc je vais continuer même si c'est dur. Monelle est la Benjamine du concours, mais c'est aussi la plus grande. 1m80, un atout de taille qui jouera peut-être en sa faveur le grand soir.